Suite aux mesures de confinement qui nous imposent la fermeture des théâtres, la municipalité de Saint-Paul-et-Dax a décidé de mettre à profit ces temps de fermeture pour permettre aux compagnies locales de pouvoir travailler leur spectacle au travers de résidences d'artistes. C'est donc la possibilité pour une compagnie d'occuper un théâtre professionnel avec un équipement technique, son et lumière de grande qualité et donc un temps de travail qui leur permet d'avancer sur leur création artistique. Pas sûr que ça fonctionne bien, mais continuons à chercher et à proposer. D'accord, j'essaye la main. Oui. Alors là, on travaille sur le spectacle qui s'appelle Le Coquelicot. C'est une création de la compagnie qui a commencé par une petite forme plutôt insolite, on va dire. On pouvait le jouer dans des cuisines, dans des petites pièces assez intimes. Et on a eu le désir de la faire évoluer sur le plateau, sur une scène. Donc là, c'est la création de cette année. Il y a les dédicaces, non ? Voilà, plus assumé, mais c'est bien ça. Pour nous, la résidence d'artiste, c'est l'occasion de travailler. Comme on peut le voir ici, on a vraiment un espace de travail intéressant. Ça permet aussi de faire des partenariats, de travailler ensemble, de faire du lien. Mais il y a aussi dans ces moments-là des temps de médiation avec des écoles, avec des EHPAD, avec du public. Un échange aussi qui nous permet aussi d'enrichir la création, le travail. Du coup, d'avoir un retour des personnes pour pouvoir avancer dans le travail. On a essayé de travailler quelque chose de très simple, d'autonome et d'intime pour ce spectacle. Ce qu'on trouve ici par contre qui est très intéressant, bon, c'est qu'il y a une structure qui nous permet de travailler des choses qui ne sont pas encore créées, c'est-à-dire qu'on a par exemple un lustre au-dessus de la table centrale, on n'a pas encore le support, donc voilà, nous ça nous permet de faire de l'accroche, ce genre de choses, d'avoir un cadre noir, d'avoir un vrai noir, de travailler voilà, dans des conditions quand même optimales.